السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل. السلام عليكم. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سي لو كور إن شاء الله تعالى نيميرو 37، سي لو كور نيميرو 37 دي تخوا فوندمون دي تخوا فوندمون avec le charh de Cheikh Ben Outaymin en particulier. Sinon, il y a aussi le charh d'autres savants, Inch'Allah ta'ala. Donc, d'abord, marhaban bikoum. Ensuite, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait aidé pour qu'on revienne. Et non, comme ça, yani, des fois on s'arrête, des fois on revient. Et même, d'ailleurs, les savants, c'est comme ça. Des fois, ils font... Il y a un certain moment, ensuite, ils tombent malades, bien ils vont à la Umra, ou bien. Le mouhem, c'est de garder toujours, Inch'Allah ta'ala, la relation, et de faire, Inch'Allah ta'ala, autant que possible, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le mouhem, Fouzi, vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Avant de commencer le nouveau cours, je voudrais revenir sur l'ancien cours, pour yani remémoriser un peu et en même temps comme yani كيفاش يقولوا comment on dit le mot avec une révision en même temps, une révision, et voilà, pour réviser et ensuite vite on commence Allah ta'ala le prochain cours. Donc c'était dit, l'imam Mohammed ibn Abd Wahhab alayhi rahmatullah a dit, il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Cheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala dit, l'ascension céleste est une des importantes particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mi'raj, par le biais de laquelle Allah azza wa jalla l'a distingué avant qu'il n'émigre de la Mecque. Ainsi, tandis que le prophète alayhi sallam dormait dans l'enceinte de la Kaaba, un être vint à lui. Je dis, dans Sahih al-Bukhari, c'est cité que c'est Jibril alayhi sallam. Il lui fendit la poitrine de la gorge au bas du ventre, puis le remplit de sagesse et de foi afin de le préparer pour cet événement. Dans le hadith, il a dit dans Sahih al-Bukhari, il ouvra ma poitrine et la lava avec de l'eau zamzam. Puis il vint avec un récipient plein de sagesse et de foi et le déversa dans ma poitrine, et dans une autre variante, il a rempli le contenu de ce récipient, avec ce contenu, il a rempli ma poitrine et mes veines. Il dit, l'être amena alors une bête de couleur blanche, surnommée Bourak, plus petite qu'un mulet, mais plus grande qu'un âne. Cet animal parcourait en un pas la distance le séparant de l'horizon. C'est-à-dire, en un seul pas, yani, il est à la fin de l'horizon. Ce n'est pas comme nous, un pas qui fait, yani, un demi-mètre là. Non. Il pose, son pied à la fin de l'horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le monta alors en compagnie de l'ange Jibril, le digne de confiance, à atteindre le temple de Jérusalem, Beth al-Maqdis. Il s'y arrêta et dirigea une prière en présence de tous les prophètes et messagers qui prièrent derrière lui, afin que le mérite et le haut statut du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apparaissent au grand jour et pour indiquer qu'il est le guide à suivre. Et j'avais lu la fois passée
Un hadith, où le prophète sallam a dit: Wa qad ra'aytuni fi jama'atin min anbiya, fa idha bi Musa qa'imun yusalli, fa idha rajulun, etc. Le hadith, je l'ai cité la fois passée, c'est pas la peine de le faire. Jibril le fit ensuite monter vers le premier ciel où il demanda qu'on lui ouvre. On lui demanda, c'est-à-dire à Jibril, qui est-ce? Il répondit, c'est Jibril. On lui dit, qui est avec toi? Il répondit, Mohammed. On le questionna, l'a-t-on appelé? C'est-à-dire, il est déjà devenu prophète. Il répondit oui. On lui dit bienvenue à lui. Quelle heureuse visite. On rouvrit alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva Adam. Jibril dit, voici ton père Adam, salue-le. Le prophète le salua et Adam lui rendit son salut. Adam dit, bienvenue au fils pieux et au prophète pieux. Le prophète vit à la droite d'Adam les âmes des bienheureux et à sa gauche celles des malheureux issus de sa descendance. Lorsque Adam, alayhi salam, regardait à sa droite, il se réjouissait et riait. Et lorsqu'il se tournait vers sa gauche, il pleurait. Puis Jibril fit monter le prophète, alayhi salam, vers le second ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète y trouva Yahya et Isa, qu'on appelle Jésus. Qu'Allah découvre tous deux des loges et des saluts, qui sont cousins, leur mère étant sœur, leur mère étant des sœurs, c'est-à-dire Yahya et Isa. Jibril dit, voici Yahya et Isa. Salue-les donc. Il les salua et eut de répondre à son salut. Ils dirent, bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. Ensuite, Jibril fit monter le prophète Hassan vers le troisième ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète y trouva Youssouf, alayhi salam. Jibril dit, voici Youssouf, salue-le. Le prophète Hassan le salua et Youssouf de lui rendre l'appareil. Youssef dit, bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. Jibril fit ensuite monter le prophète alayhi salam vers le quatrième ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète alayhi salam y trouva Idris, alayhi salam. Jibril dit, voici Idris, salue-le. Le prophète alayhi salam le salua. Idris répondit à son salut et dit, bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. Puis Jibril fit monter le prophète alayhi salam vers le cinquième ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète alayhi salam y trouva Haroun, fils de Imran, le frère de Moussa, alayhi salam. Jibril dit, voici Haroun, salue-le. Le prophète alayhi salam le salua et Haroun de lui rendre l'appareil. Haroun dit, bienvenue aux frères pieux, aux prophètes pieux. Puis Jibril fit monter le prophète alayhi salam vers le sixième ciel, où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète alayhi salam y trouva Moussa, alayhi salam. Jibril dit, voici Moussa, salue-le. Le prophète le salua et Moussa lui rendit son salut. Moussa dit, bienvenue aux prophètes pieux et afin bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à ses côtés, aux côtés de Moussa, Moussa se mit à pleurer. On lui demanda, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il répondit, je pleure car un homme envoyé après moi, entre parenthèses, c'est-à-dire Mohammed alayhi wa sallam, verra les membres de sa communauté entrer au paradis en plus grand nombre que ceux de ma communauté. Les pleurs de Moussa alayhi salam, dit Cheikh Ibn Uthaymeen, étant donc dus à la tristesse qu'il éprouvait pour les mérites qui ont échappé à sa communauté et non pas par jalousie envers la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est impossible, c'est pas la jalousie, sinon ça va entrer dans le hasad. On va dire que Moussa a hasad notre prophète alayhi salam. C'est pas possible, mais il a pleuré parce que il a, en comparant yani les mérites yani qu'a eu le prophète alayhi salam et les mérites qui ont échappé à lui et à sa communauté Moussa alayhi salam, donc yani ça l'a attristé. Puis Jibril fit monter le prophète alayhi salam vers le septième ciel où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète y trouva Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah Azzawajal. Jibril dit, voici ton père Ibrahim, salue-le. Le prophète alayhi salam le salua et Ibrahim de lui rendre la paille. Ibrahim dit, bienvenue au fils pieux, au prophète pieux. Jibril fit ainsi visiter au messager sallallahu alayhi wa sallam les différents prophètes pour l'honorer et faire apparaître au grand jour son haut degré et son mérite. Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah Azzawajal, était adossé à la maison peuplée qu'on appelle Beit al-Ma'mour. Le Beit al-Ma'mour se trouvant au septième ciel. Les savants disent c'est comme la Kaaba. C'est une Kaaba, mais qui se trouve au septième ciel. Et certains ont même ajouté qu'elle se trouvait
Yani exactement au-dessus d'elle. Disons que si quelqu'un yani, pouvait tomber de là-bas, un ange, il tomberait donc directement sur la Kaaba, si ça pouvait arriver. Comme ça, ils disent. Et ce Beit al-Ma'mour, qu'on appelle, yani, même si c'est dans le Coran, le Beit al-Ma'mour, cette Kaaba, qui se trouve au 7e ciel, est une maison dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges. Donc, elle a une sorte de porte, comme la Kaaba. La Kaaba, qui se trouve en Arabie, a aussi une porte. On peut y rentrer pour y prier à l'intérieur. Et la prière est valable à l'intérieur, car le prophète Hassan l'a faite, a prié à l'intérieur de la Kaaba. Et c'est aussi permis de prier au-dessus d'elle, au-dessus de la Kaaba, si on pouvait monter sur la terrasse. C'est aussi prié de permis. Et même si, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, si jamais on arrive, que Allah Ta'ala ne fasse pas ça, si jamais ça arrivait à ce qu'on démolisse la Kaaba, comme ça va arriver au fin des temps, il n'y aura plus de Kaaba. Donc comment prier? Il n'y a pas de Kaaba. On se dirige à l'endroit où elle était. Elle n'est plus, mais il y a son endroit. On se dirige vers son endroit et on prie, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah Ta'ala. Donc, cette maison, Beit al-Ma'mour, cette Kaaba du ciel, a une porte. Et par cette porte, le hadith dit, chaque jour, rentrent 70 000 anges pour adorer Allah Azzawajal, puis en sortent sans ne plus jamais y revenir. Donc, si quelqu'un, yani, veut connaître quel est le nombre des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, des anges, je dis, seulement ceux qui rentrent, yani pour adorer Allah Ta'ala dans la Kaaba, il pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 000 qui rentrent chaque jour. Et le lendemain, ils n'ont plus le droit de rentrer. Ce sont 70 000 autres. Ensuite, le troisième jour, 70 000 autres. Alors imaginez, depuis que la Beit al-Ma'mour existe, combien d'anges sont rentrés et combien ils rentreront d'ici yani, la fin du monde. Donc c'est impossible yani, de les compter. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Il ne connaît les soldats de Allah subhanahu wa ta'ala que lui. Personne ne peut connaître le nombre. Un ordinateur, il va brûler, il ne peut pas compter tout ça. Il dit, le prophète alayhi salam fut ensuite élevé vers le lotus de la limite. Sidrat al-Muntaha. C'est un petit arbre comme ça, un petit buisson qu'on appelle yani Sidra, al-Muntaha. Al-Muntaha, la limite. Personne ne peut dépasser après yani ce lotus. Tout le monde doit s'arrêter là. Il ne peut franchir yani après le lotus. Qui part hors d'Allah Azzawajal, qui est enveloppé d'une beauté et d'une splendeur qu'aucune créature ne saurait décrire. Serait trop beau. Et c'est impossible que quelqu'un puisse décrire comment est ce lotus et comment il a été embelli, lorsque le prophète alayhi arriva devant lui. Allah imposa alors au prophète alayhi et à sa communauté d'accomplir 50 prières de nuit et jour. Le prophète alayhi l'accepta et s'y soumit. En descendant du 7e ciel, il passa aux côtés de Moussa, qui lui demanda, qu'a imposé ton Seigneur à ta communauté? Donc, vous voyez que les prophètes ne connaissent pas l'avenir. Donc, Moussa alayhi salam ne sait pas, ne connaît pas le dialogue qui a eu lieu entre Mohammed alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il lui demande. Non, il ne connaît pas, yani, l'invisible. Il lui demande, yani, qu'est-ce qu'il t'a imposé? Il a dit 50 prières par jour. Il m'a imposé 50 prières par jour. Moussa dit alors, ta communauté ne pourra supporter une telle charge. Ta communauté ne pourra supporter une telle charge. Quelqu'un va dire, mais ici, ça rentre un peu dans l'invisible. Comment Moussa alayhi salam a-t-il pu savoir que yani, sa communauté de Mohammed alayhi salam ne pourra pas supporter une telle charge? Alors il explique, il termine sa phrase, il dit, j'en ai déjà fait l'expérience auparavant. Et me suis évertué à soumettre les enfants d'Israël autant que je le pus. Donc il montre ici que j'ai déjà l'expérience. Si je te dis que ta communauté ne peut pas prier 50 prières par jour,
Parce que j'ai déjà eu l'expérience avec ma communauté, les enfants d'Israël, et je sais que c'est très difficile pour eux, Yanni, de faire une chose pareille, et donc c'est une lourde charge. Une lourde charge. Retourne donc vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger le nombre de prières pour ta communauté. Le prophète Aïssa dit, je retournais donc, et Allah Azzawajal m'a déjà du poids de 10 prières. Il a dit donc, ce n'est plus 50, mais c'est devenu 40 prières par jour. Le prophète ne cessa de retourner vers son Seigneur et de lui demander l'allègement jusqu'à ce que le nombre de prières atteigne 5. C'est-à-dire, quand Allah Azzawajal a diminué du nombre de 50 vers 40, Mohammed, notre prophète, est descendu encore une fois et a rencontré encore une fois Moussa. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Lui a dit, il a allégé de 50 à 40. Et Moussa Salam lui a dit, ta communauté ne peut pas, non, ne peut pas, yani, ne peut pas, ne peut pas faire, une charge pareille. C'est difficile pour elle. Donc, il est supporté, voilà. Ne peut pas supporter une charge pareille. Donc, il est remonté, encore une fois et encore une troisième fois, jusqu'à ce qu'à ça soit devenu sainte prière. Il dit, hein, donc, le prophète ne cessa de retourner vers son Seigneur et de lui demander l'allégement jusqu'à ce que le nombre de prières atteigne 5. Une voix se fit alors entendre, mon obligation est maintenant prescrite et j'ai soulagé mes serviteurs. Dans une version de Bukhari, Allah Azzawajal lui a dit, elles sont 5. Et elles sont 50. Chez moi, la parole ne change pas. Non. Donc, elles sont 5 pour vous. Pour vous. Et 50 dans mon livre. Chez moi, la parole ne change pas. J'ai dit 50 au début, ça doit rester 50. Donc, ma'lif, c'est devenu 5 seulement, mais en faisant 5, c'est comme si vous aviez fait 50. Parce que dans mon livre, c'est 50. Et ma parole ne change pas. Dans une autre variante, dans le Bukhari aussi, il a dit, elles sont 50 dans le livre mère. Non, elles sont 50 dans le livre mère et 5 pour toi. Et 5 pour toi. Cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut introduit au paradis. Avant cela, je dis, Alhamdulillah, 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 est allégé. Alhamdulillah aussi, la grande faveur revient aussi à qui? À Moussa alayhi salam. C'est lui qui a suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger, 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 et comme ça au moins trois fois. Non. Parce qu'il, par expérience, il sait que ce n'est pas facile, il y a 50 prières. 50 prières. Et vous voyez que 5 prières par jour, et il y en a qui ne peuvent pas les faire. 5 prières par jour, et il y en a qui ne les font pas du tout. Donc beaucoup, beaucoup de gens, qui même qui se disent musulmans, et qui s'appellent Mohammed et Ali, Omar, et je ne sais pas, Nasera et Farida, et je ne sais quoi, et qui, yani, ne prient pas du tout. Pourquoi? Pour eux, c'est très difficile de faire 5 prières. Et même parmi, yani, les musulmans qui, yani, alhamdoulilah, ils ont istiqama, ou bien Noamin istiqama, il y en a qui, yani, ne peuvent pas prier les saintes prières à l'heure, mais les regroupent le soir, ou bien regroupent Dhuhr avec Asar, ou bien Maghrib avec Aïcha, et comme ça, peut-être même sans excuse, peut-être même sans excuse. Donc on dit Alhamdulillah, yani que c'est seulement saintes prières. Cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut introduit au paradis, où il vit des dômes de perles et une terre de busc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redescendit ensuite sur terre, arriva à la Mecque à l'aube et y accomplit la prière du sobh. Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahmatullah ta'ala dit, il pria alors à la Mecque durant 3 ans. Puis, on lui ordonna d'émigrer vers Médine. Cheikh ibn Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi wa sallam il accomplissait les prières à 4 unités en 2 rak'at, c'est-à-dire à la Mecque.
jusqu'à son immigration vers Médine, où l'accomplissement des deux rak'at, au lieu de quatre, fut maintenu en situation de voyage et où les quatre unités furent prescrites pour les résidents. Donc à la Mecque, le prophète alayhi sallam ne priait que deux rak'at. Il n'y avait pas les quatre. Ou bien, naam, il y en a plus de deux. Sauf pour le Maghrib, je ne sais pas. Le Maghrib, je ne sais pas. Donc, il priait deux rak'at. Je pense qu'il n'y avait même pas trois. Je pense que c'était deux. Naam. Et ensuite, il a dit, quand il est parti, il a émigré vers Médine, c'est là-bas que ça a commencé, il y en a les quatre rak'at. Et les deux rak'at, c'est resté, mais c'est seulement pour le voyageur. Bien sûr, sauf Salat Sop qui est deux rak'at ou le Salat al-Fajr. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, rahimahullah ta'ala, Allah Azza wa Jal ordonna à son prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Médine. Car les habitants de la Mecque l'empêchèrent de prêcher. Ça, c'est le nouveau cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Allah ta'ala ordonna à son prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Médine. Car les habitants de la Mecque l'empêchèrent de prêcher. Durant le mois de Rabi al-Awwal de l'an 13, après la révélation, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, émigrant de la Mecque, la ville de la première révélation, et la plus aimée d'Allah et de son prophète. Il a donc quitté la Mecque, émigrant par ordre de son Seigneur, après avoir vécu 13 ans à la Mecque, transmettant le message de son Seigneur et invitant les gens avec science. Mais ce ne fut que refus de la part de la majorité des Quraychites et de leurs chefs qui rejetèrent sa prédication et s'en détournèrent. Ils persécutèrent alors durement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui crurent en lui, au point d'élaborer une ruse afin de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par traîtrise. Les chefs Quraychites se rassemblèrent donc à ce sujet dans leur parlement appelé Dar al-Nadwa et se concertèrent sur le sort qu'il devait réserver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il voyait bien ses compagnons émigrer vers Médine et il était inévitable que le prophète alayhi sallam les rejoigne un jour. Il trouverait alors auprès des habitants de Médine un secours et une aide. En effet, ces derniers lui avaient prêté serment d'allégeance et juré de le protéger comme ils protégeaient leurs femmes et leurs enfants. La puissance militaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam augmenterait alors et il aurait le dessus sur la tribu des Quraysh. L'ennemi d'Allah, Abu Jahl, proposa alors la solution suivante. Il a dit, « Je suis d'avis que de chacun des clans formant la tribu de Quraysh, on choisisse un jeune homme robuste, et que l'on donne à chacun un sabre tranchant avec lequel ils frapperont Mohammed comme un seul homme. Il périra alors et nous en serons débarrassés. En effet, la responsabilité de sa mort sera partagée entre tous les clans de la tribu. Hein, de la tribu. De la tribu de Quraysh. Ainsi, les Bani Abd Manaf, désignant par là le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pourront déclarer la guerre à toute la tribu. Ils devront alors se satisfaire du prix de sang que nous leur verserons. Mais Allah Azza wa Jal informa son prophète sallallahu alayhi wa sallam des desseins des polythéistes et l'autorisa à émigrer. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu s'était préparé pour se rendre à Médine lorsque le prophète alayhi wa sallam lui dit « Ne t'empresse pas. En effet, j'espère que l'autorisation d'émigrer me sera bientôt donnée. » C'est-à-dire que le prophète alayhi wa sallam avait donné permission aux autres de partir. Mais lui, il attendait la permission, yani qu'elle lui vient d'Allah subhanahu azza wa jal. C'est pour ça que Abu Bakr déjà se préparait pour partir, comme tous les sahaba yani, qui sont partis. Mais le prophète alayhi wa sallam lui a dit « Ne t'empresse pas. Yani, bientôt je vais avoir l'autorisation. » C'est-à-dire pour que tu puisses
m'accompagner, bi'idhnillahi ta'ala. Abu Bakr, radiallahu ta'ala, nous retarda alors son départ afin de tenir compagnie au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant son voyage. Aïcha, radiallahu ta'ala, en a rapporte. Alors que nous étions dans la demeure d'Abu Bakr, aux environs de midi, voilà que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta à l'entrée de la maison, le visage couvert. Abu Bakr s'exclama alors, « Je donnerai pour lui père et mère en rançon. Par Allah, s'il est venu en cette heure, à midi, c'est-à-dire, c'est pour un événement important. » Il ne venait pas, yani, en cette heure-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entra et dit à Abu Bakr, « Sors de chez toi. » Abu Bakr répondit, « Tu n'as là que les membres de ta famille. » C'est-à-dire, il n'y a personne sauf Aïcha qui est ton épouse. Donc, il n'y a pas de mal à cela. Ô toi, pour qui je donnerai père et mère en rançon. Le prophète, alayhi wa sallam, dit alors, l'autorisation d'émigrer m'a été accordée. Abu Bakr, radiallahu ta'ala, dit alors, aurais-je le privilège d'être ton compagnon de route? Et le prophète, alayhi wa sallam, de répondre oui. Il dit, prends donc, c'est-à-dire Abu Bakr dit, prends donc une de mes deux montures. Et le prophète, alayhi wa sallam, dit alors, non, sans t'en avoir donné le prix. C'est-à-dire, d'accord, je vais prendre une de tes deux montures, mais, yani, en vente. C'est-à-dire, je vais l'acheter. Je la prends pas comme ça gratuitement. Ils quittèrent donc tous deux la Mecque, et passèrent 3 nuits dans une grotte de la montagne Thawar. Abdullah, fils d'Abu Bakr, qui était un jeune garçon intelligent et éveillé, passait la nuit auprès d'eux. Il se rendait à la Mecque à la fin de la nuit et se retrouvait parmi les Quraysh au matin. Il mémorisait tout ce qu'il pouvait entendre concernant le prophète alayhi salam et son père Abu Bakr, puis en informer ces derniers lorsqu'il se rendait auprès d'eux à la tombée de la nuit. Vous savez qu'en islam, c'est permis d'envoyer ce qu'on appelle des espions. L'espionnage, c'est permis en islam, et il y a des hadiths en ce sens. Et ici, le fils d'Abu Bakr a fait un peu ce travail, et le prophète a envoyé une fois un des sahaba aussi, pour espionner ce qui se passe, c'est pendant Ghazwat al-Ahzab, pour s'asseoir avec les kofars et entendre ce qu'ils disent, et c'est quoi leur stratagème, c'est quoi que là. Ensuite, il rapporte ça aux musulmans. Il dit, donc, les membres de la tribu de Quraysh se mettent alors à chercher le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tout lieu, et tentèrent de le retrouver par tous les moyens. Donc, ils ont remarqué quoi? Son absence. Donc, ils ont commencé à chercher, à déployer tous les moyens pour essayer de le retrouver. Ils proposèrent même une récompense de 100 chameaux pour qui le retrouverait. Cependant, Allah Azza wa Jal était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Était, comme on a vu une fois ici, le ma'iyya al-khassa. Sinon, Allah Ta'ala est avec tout le monde. Mais il est avec tout le monde de par sa science. Il sait ce qu'ils font, etc. Mais ici, il est avec le prophète et avec Abu Bakr, yani, d'une ma'iyya khassa. Khassa, c'est-à-dire particulière. Il est avec eux, non seulement de par sa science, mais aussi de par yani, son aide, de par son assistance, de par son secours. Voilà ce qu'il veut dire. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, rahimahullah ta'ala, par son aide, il les protégeait, et par son assistance, il les secourait, au point où certains membres de la tribu de Quraysh, bien que se trouvant à l'entrée de la grotte, ne les virent pas. Abu Bakr, radiallahu ta'ala, nous rapporte. Je dis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions dans la grotte, et bien sûr, les ennemis, au pied de la grotte, il dit, il suffirait que l'un d'eux jette un coup d'œil à ses pieds pour le voir. Donc la grotte se trouve, un peu vers le bas.
Et les kofars sont debout devant la grotte. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, et Abu Bakr, yani, levaient un peu leur tête comme ça, et voyaient les pieds de qui? Les pieds des kofars. Et les kofars, s'ils avaient, yani, fait descendre leur regard vers leurs pieds, ils auraient vu le prophète, alayhi salam, et, yani, Abu Bakr. Mais le prophète, alayhi salam, lui répondit, ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. La tahzan. Inna Allah ma'ana. Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est leur troisième? Ya Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes lorsque ou bien si Allah Ta'ala est leur troisième? Est-ce que quelqu'un peut les vaincre? Est-ce que quelqu'un peut leur faire du mal? Est-ce que quelqu'un peut les voir s'il la décide que ils ne peuvent pas les voir? Non. Et ici, je crois que j'ai parlé la fois passée, ou si c'est pas la fois passée, dans des cours précédents, ici, il y a une petite remarque que il n'y a pas d'araignée. Non. Car beaucoup de ceux qui rapportent la sira du prophète, quand ils arrivent à cet endroit-là, ils disent que il y avait une toile d'araignée. Et c'est cette toile d'araignée qui a été la cause que les kofars n'ont pas pu voir les prophètes, c'est-à-dire ils ont dit, si il y a une toile d'araignée, donc automatiquement, il n'y a personne dans la grotte. Car s'il y avait quelqu'un dans la grotte, en entrant dans la grotte, il aurait quoi? Déchiré la toile d'araignée. Donc cette toile d'araignée prouve qu'il n'y a personne dans la grotte. Et d'autres ont dit, à la place de la toile d'araignée, on dit un nid de pigeon. Il dit, s'il y a un nid de pigeon ici, c'est une preuve que il n'y a personne dans la grotte, car le pigeon ne va pas faire des œufs et construire un nid là où il y a des gens qui rentrent et sortent. Ils ont dit, voilà la preuve que la grotte était vide. Et les muhakkikoun disent, tout cela n'est pas vrai. Il n'y a ni pigeon ni araignée. Et Allah Ta'ala veut montrer que sans pigeon et sans araignée, ils ne peuvent pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son ami si je décide qu'il ne les voit pas. Non. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ou sûrement vous avez remarqué ça, des fois quelqu'un marche dans la rue. Non. Il y a quelqu'un qui connaît bien. Il y a même peut-être son père ou sa mère qui est en face de lui. Non, il ne la voit pas. Il ne voit pas cette personne. Jusqu'à ce que la personne lui dise, ah, mais tu m'as pas vu. Il lui dit, Wallah l'adim, je t'ai pas vu. Pourquoi? Et c'est pas seulement une question de voir avec les yeux. C'est une question aussi d'avoir l'esprit et le cœur avec cette vision. Car tu peux voir une chose, mais ton esprit est ailleurs. Donc, en fin de compte, tu n'as rien vu. Comprenez? Non. Donc, tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il accepte que tu vois, ou bien, il décide que tu vois pas, même si tu regardes. C'est pour ça qu'il y a une différence entre regarder et voir. Je regarde une chose, mais je vois pas. C'est comme il y a une différence entre yesma et istamia. J'écoute quelque chose, ou là j'entends quelque chose, mais j'écoute pas. Je suis en train d'entendre la musique, mais alhamdoulilah, je ne suis pas en train d'écouter. Donc il y a une différence. J'entends sans écouter, non, ce n'est pas comme écouter, entendre et écouter la musique. Ça, c'est haram. Mais si j'entends comme ça la musique, c'est elle qui vient à mes oreilles, mais moi je suis pas en train d'écouter, mon esprit est ailleurs. Hein? C'est comme par exemple quand quelqu'un rentre dans un supermarché ou là, et qu'il y a la musique, et qu'il doit acheter quelque chose. Là je suis en train d'entendre, mais je suis pas en train d'écouter, ou bien le contraire, c'est-à-dire que la chose arrive à mes oreilles, mais mon cœur n'assiste pas, n'est pas présent. On disait, lorsque les recherches des Quraysh se firent moins intenses, non, attendez, je vais montrer d'ailleurs un verset ici, une seconde, si je le trouve dans le programme vite, où Allah Ta'ala dit, une seconde, que Allah Ta'ala m'aide pour que je le trouve facilement, j'espère le trouver, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde, je le mets en arabe. وهم لا يبصرون وهم لا يبصرون يبصرون
Non, chauffe. Chauffe, regardez ce verset. Est-ce qu'il s'est affiché? Alhamdoulilah. Wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Regardez ce que ça donne en français, à peu près. Hein? Et si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. Subhanallah al-Azim. Vous voyez ce que Allah Ta'ala dit, l'A'raf, verset 198. La fin, qu'est-ce qu'il a dit? Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. C'est-à-dire, ils te regardent avec les yeux, mais ils ne te voient pas avec leur cœur. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de regarder avec le cœur, pas avec les yeux. Non. C'est ça le basira, ce qu'on appelle basira. Entendre avec le cœur et voir avec le cœur. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, Naha la ta'mal absar, walakin ta'mal quloub lati fi soudour. Non, il a dit, ça n'aveugle pas les yeux, mais ça aveugle, yani les cœurs. Ça aveugle les cœurs. Car l'œil peut voir, et le cœur ne voit pas, ça ne sert à rien. Et le contraire, des fois le cœur, l'œil ne voit pas, mais alhamdoulilah, le cœur voit. C'est pour ça que, alhamdoulilah, vous avez remarqué, il y a des aveugles, hein, il y a des aveugles, comme Cheikh Ben Baz, comme Ibn Kathir, comme Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, Chatibi, beaucoup d'autres, hein, qui étaient quoi? Aveugles. Aveugles de quoi? Des yeux. Mais ils voyaient avec leur cœur. Hein, ils voyaient avec leur cœur. Et tu trouves le contraire, des gens qui ont des yeux, mais ils sont aveugles des cœurs. Il a des yeux, mais il n'a jamais vu la vérité, n'a jamais lu le Coran, n'a jamais ouvert un livre de Sunna. Donc celui-là, c'est un vrai aveugle. C'est celui-là le vrai aveugle. Pas Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Non. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ensuite, une petite question que je vous pose. Fawzi. Quand le verset par exemple s'affiche ici, et si tu les appelles vers le droit chemin, etc., combien de fois il s'est affiché chez vous? Une seule fois? J'attends la réponse. Non, une seule fois, alhamdoulilah. Parce que chez moi, je le vois affiché 3 fois. Je le vois affiché 3 fois. 3 fois? Ah, d'accord. Donc c'est 3 fois. Maalesh. Maalesh, c'est pas grave. Lorsque les recherches, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala dit, lorsque les recherches des Quraysh se furent intenses, ils sortirent de la grotte après avoir passé 3 nuits et se dirigèrent vers la ville de Médine en longeant la côte. Je répète, lorsque les recherches des Quraysh, yani, se firent intenses, ils sortirent de la grotte après avoir passé 3 nuits, et se dirigèrent vers la ville de Médine en longeant la côte. Donc maintenant, les recherches sont devenues intenses. Et il est fort possible que les Qurayshites les découvrent. Alors ils ont décidé quoi? De yani, quitter la grotte après avoir y passé combien? 3 nuits. Ça me rappelle yani, l'histoire de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Lorsque dans sa fitna, la fitna de Khalq al-Qur'an, au temps du Ma'moun, vous savez, vous connaissez tous la fitna, pendant cette fitna, yani, il se cachait yani, chez ses élèves, pour que yani, on ne le découvre pas, car il était, comme dit, recherché. Et une fois, il était chez un élève, là, il a passé chez lui 3 nuits. Ensuite, il lui a dit, il faut que demain, inchallah ta'ala, tu me trouves une autre cachette chez un des élèves. Ensuite, son élève lui a dit, pourquoi, ya Ahmed, naam, tu cherches yani, une nouvelle cachette, alors qu'ici, tu es bien caché, bi'idhnillahi ta'ala, et que, alhamdoulillah, yani, il n'y a aucun soupçon, yani, et yani, je ne vois pas pourquoi tu vas yani, changer de cachette. Il lui a dit, cherche-moi une nouvelle cachette et je te donnerai, inshallah ta'ala, une faïda. Alors son élève lui cherchait une nouvelle cachette et avant de partir vers la nouvelle cachette, il lui a dit,
C'est quoi la faïda, jazakallahu khairan? Il lui a dit, naam, je vais te la dire. Il lui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est caché dans la grotte de Thawr, il a passé seulement 3 nuits et il a décidé de quitter la cachette. Je voudrais le prendre comme modèle, même dans cette chose-là. Moi aussi, je me suis caché 3 nuits chez toi. Naam, je voudrais maintenant faire comme le prophète, alayhi wa sallam, et quitter cette cachette, bi-idhnillahi ta'ala. C'est pour voir, yani, les grands savants, comment qu'ils étaient par rapport au suivi du prophète, alayhi sallam, et le suivi de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'ils pouvaient, yani, ils l'imiteraient, ils le suivraient dans toutes choses. Toutes. Comment manger, comment s'habiller, comment dormir, comment parler, comment rire, comment ceci, comment cela. On rapporte que Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu essayait, faisait des efforts, même, yani, pour essayer, yani, et il l'a fait, d'uriner, uriner là où le prophète islam urinait. Si c'était pendant le voyage, et que le prophète islam avait envie d'uriner devant, par exemple, yani, un caillou ou je ne sais quoi, hein, la prochaine fois, si Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, yani, passait par la même route, s'il arrivait au même endroit où il sait que le prophète a uriné ici, lui aussi, radiallahu ta'ala anhu, il essayait d'uriner. Même si yani, les autres sahaba n'étaient pas d'accord yani, de cet avis, hein, ils ont dit que ça, c'est pas sunnah, il l'a fait, alayhi salam, par besoin. Yani, c'est arrivé comme ça, comme on dit, yani, ittifaqan. Mais lui, il a dit, même si c'est ittifaqan, moi, je voudrais faire la même chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça me rappelle aussi le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala, dans le Bukhari et d'autres. Où, yani, quand on lui a dit que le prophète, alayhi salam, yani, combien qu'il égorgeait par, yani, pendant l'Aïd, etc., et que un seul mouton, yani, ça suffisait. Il a dit, moi, j'ai vu le prophète, alayhi salam, égorger 2 moutons pendant l'Aïd. Et je ne cesserai d'égorger 2 moutons jusqu'à ce que je rencontre Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le même chez tous les gens. C'est, yani, différent d'après, yani, l'iman et d'après l'amour du prophète, alayhi wa sallam, et comme ça, il n'est pas le même, yani, chez tous les gens. Donc on revient un peu, on s'est arrêté. Quand les habitants de Médine, qu'ils soient muhajirs ou bien ansar, dans la note il dit, le muhajir, c'est le compagnon qui a émigré de la Mecque vers Médine. On l'appelle muhajir. Et les ansar sont les habitants de Médine qui ont accueilli le prophète alayhi et ses compagnons. Donc les muhajirun, c'est ceux, les compagnons qui ont quitté la Mecque pour Médine. On les appelle muhajirun. Ils ont fait la hijra. Quant aux ansar, on les appelle les ansar. Ce sont ceux qui ont, yani, accueilli le prophète, sallam, accueilli le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand les habitants de Médine, qu'ils soient muhajirs ou bien ansar, pourquoi il a dit ici les habitants de Médine qu'ils soient muhajirs? Parce qu'il y a déjà, parmi ces habitants, il y a des muhajirs qui ont déjà fait la hijra. Comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète leur a donné la permission qu'ils aillent. En arrivant là-bas, ils sont devenus quoi? Yani, des muhajirs qui habitent à Médine. Quand les habitants de Médine, qu'ils soient muhajirs ou ansar, apprirent que le prophète, alayhi venait à eux, ils prirent l'habitude de se rendre tous les matins à l'entrée de la ville pour attendre l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon. Et seule l'ardeur du soleil les faisait rejoindre leur demeure. Le jour de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après l'avoir attendu jusqu'à mi-journée, et quand la chaleur ils regagnèrent leur domicile. Mais un juif qui s'était posté sur une des collines de Médine
pour une affaire le concernant, vit le prophète alayhi salam et ses compagnons approchés, les mirages se dissipant autour d'eux. Alors il ne put s'empêcher de crier de toutes ses forces: ô Arabe, voici l'heure de gloire que vous attendiez tant. Car le juif savait que le prophète allait venir. Les musulmans se précipitèrent alors à la rencontre du prophète alayhi salam, leurs armes en bandoulière, par vénération et respect pour lui, et pour exprimer le fait qu'ils étaient prêts à combattre et à le défendre. Ils l'accueillirent à l'entrée de la ville, mais, alayhi salam, il bifurqua à droite et descendit dans le quartier des Banu Amr ibn Auf, à Quba, où il passa quelques nuits et construisit une mosquée. Il se dirigea ensuite vers Médine, entouré de compagnons. D'autres allaient à sa rencontre sur son chemin. Abu Bakr radiallahu ta'ala nous relate: le jour de notre arrivée, les gens, les enfants et les domestiques sortirent dans les rues, se juchèrent sur le toit des maisons, en s'exclamant « Allahu Akbar, Allahu Akbar, le messager d'Allah est arrivé, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mohammed est arrivé. » Une parenthèse ici, vous avez remarqué ce qu'a dit Abu Bakr radiallahu ta'ala, présent ce jour-là, qui était le seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le voyage. Vous avez remarqué ce qu'il a dit en rapportant de ce qu'on dit. Ce qu'on dit, yani les muhajirun et les ansar qui sont venus les accueillir, lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il disait? Allahu Akbar, Allahu Akbar, le messager d'Allah est arrivé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammad est arrivé. Pour dire que ce qui se trouve dans beaucoup de livres, comme quoi que le prophète alayhi wa sallam, quand il est arrivé, les muhajirun et les ansar l'ont accueilli avec un nashid ou bien un chant, où ils auraient dit ala al-badru alayna, ala al-badru alayna, que ceci n'est pas vrai. Alors que c'est très connu, ça se trouve dans beaucoup de livres, en quoi ils l'ont accueilli avec même un tambourin frappé sur le tambourin en disant ala al-badru alayna. Alors ça, comme disent des savants muhaqqiqoun, il n'y a pas quelque chose d'authentique en ce sens. Et même Tala al-Badru alayna, ce nashid contient même une faute. Car dans ce nashid, on dit Tala al-Badru alayna min thanayati al-wada', min thanayati al-wada'. Thanayati al-wada', ça se trouve pas en direction de Médine, mais dans une autre direction. Alors qu'ils disent Tala al-Badru alayna, al-Badr veut dire la lune ou là, il veut dire ça dire ici le prophète Aslam. Donc Tala al-Badru alayna, de quel côté? Min thanayat al-wada', alors que c'est pas vrai. Le Badr ici, le prophète Aslam, Tala, il est venu du côté de Médine et pas du côté de l'autre côté. Non. Voilà, inshallah ta'ala, bi'idhnillah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Le prochain cours sera très important, car dans le prochain cours, Ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab alayhi rahmatullah a dit: la hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour les musulmans, et le reste sera l'avènement de l'heure. Cheikh Ibn Uthaymeen va expliquer ceci dans une page, deux pages, trois pages, 4 ou 5 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages ou plus. Ce sera, inshallah ta'ala, le prochain cours qui sera très important par rapport à la hijra, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, maintenant, donc, je vais répondre à certaines questions qui ont rapport au cours, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Là, on se rencontre, inch'Allah ta'ala, dans 10 minutes, un quart d'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Tayyib Fawzi, c'est quoi, inch'Allah ta'ala, la première question?
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que Cheikh m'entendez bien? Alhamdulillah. Donc, on va commencer avec la première question, question d'une sœur. Question Aqida. Au début du cours, on a vu que le prophète, alayhi salatu wa salam, on a vu que le prophète Moussa, alayhi salam, était au septième ciel. Et d'autres prophètes dans les autres aux cieux. Chir, est-ce que cela est le cas actuellement et les prophètes sont dans les cieux ou dans leur tombe? Tafadhal ya Chir. Fawzi, est-ce que tu as bien dit septième ciel? Est-ce que tu as bien dit septième ciel? Taïb, c'est ça. Donc, je veux d'abord corriger pour dire que si j'ai dit que Moussa a été au septième ciel, je me suis trompé. Mais je suis sûr que je n'ai pas dit qu'il est au septième ciel. Non. Parce que celui qui est au septième ciel, c'est Ibrahim alayhi salam. Donc, la vraie disposition, inchallah ta'ala, c'est de dire que par rapport aux sept cieux, au premier ciel, il y a Adam. Au deuxième, il y a Yahya et Isa. Au troisième, il y a Idriss. Au quatrième, il y a Youssouf. Au cinquième, il y a... Bon, j'ai dit Youssouf. Il y a Haroun. Au sixième, il y a Moussa. Au septième, il y a Ibrahim. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, vous, est-ce que vous m'avez entendu dire que yani, au septième ciel, il y a Moussa alayhi salam? Non. Mais quand le prophète alayhi salam descendait, il est descendu du septième ciel, quand il est arrivé au sixième, il a rencontré Moussa. Et Moussa lui a dit telle et telle chose. C'est la première chose qu'il faut corriger, inshallah ta'ala. Maintenant, par rapport à la question, inshallah ta'ala, les savants disent que la disposition que je viens de citer maintenant par rapport au Anbiya n'a pas changé, toujours la même. Et que des fois, ils sont là-bas, et des fois, ils sont dans leur tombe. Comme le croyant. Le croyant, quand il va mourir, son âme, et des fois au paradis, s'il fait partie parmi les gens du paradis. Et des fois, yani, son âme est dans la tombe. Comme ça disent les savants, comme ça a dit Imam Malik, rahimallah, comme ça dit Ibn Taymiyyah, comme ça dit Ibn Qayyim. Le prophète, alayhi quand une fois il est passé devant la tombe de Moussa, alayhi il a dit, je l'ai vu dans sa tombe en train de prier. Et il a dit dans un hadith authentique, les croyants sont dans leur tombe en train de prier. Et pourtant, dans des hadiths authentiques, les croyants, leur tombe, leurs âmes sont dans des volatiles, dans des oiseaux, des sortes d'oiseaux, qui volent comme ça, païr, il a dit en arabe, païr, dans le paradis, dans les ventres, dans leur ventre, en train de manger des arbres du paradis. Donc, conclusion, pour terminer, résumé, les tombes, les âmes des personnes mortes, si elles sont croyantes, des fois sont au paradis, et des fois sont dans la tombe. Voilà, inchallah ta'ala, la réponse. Fin de la deuxième question. Voilà, que là, on fait comme cher. Donc, on passe à la deuxième question. Question d'une sœur. Naam, qu'Allah nous donne le succès. Je voulais savoir si dans chaque livre, exemple, l'évangile qui a averti de la venue de notre prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, où cela a été effacé. Tafadhal ya cher. À fond, si c'est possible de relire la question, car je croyais que c'était la même question qu'avait voilà que Contact Sœur avait posté. Donc j'étais en train de lire la question et je n'ai pas entendu celle que tu lisais. Donc ça rentre dans voir avec les yeux. Et comme on dit tout à l'heure, et regarder et non pas voir. Regarder seulement et non pas voir. Donc, c'est possible de la relire. Donc, je crois qu'elle est là. Je voulais savoir si dans chaque livre, exemple l'évangile qui a averti de la venue de notre prophète,
ou cela a été effacé, barakallahu fik. La question n'est pas très claire, mais je dis, tous les livres qu'Allah Ta'ala a fait descendre, hein, ou alors, yani, la plupart des livres ont averti de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les autres, même s'ils n'ont pas averti, ont cité cela. Al-Muhim, l'évangile surtout, hein, et la Torah aussi, a cité que le prophète alayhi sallam allait venir, qui s'appelait Mohammed ou bien Ahmed, etc. Mais ce sont les gens, hein, qui ont effacé cela par hasad ou par, yani, pour d'autres raisons. Donc sinon, comme l'évangile par exemple, si les prêtres et les curés, etc., ne l'ont pas touché, l'ont laissé, comme la Ta'ala l'a fait descendre, on aurait lu jusqu'à de nos jours un verset où c'est écrit que, yani, il va venir un jour où Mohammed a.s. va venir, un prophète qui s'appelle Ahmed ou Mohammed. Mais les gens l'ont effacé sciemment, yani, pour des raisons personnelles, pour des raisons politiques, etc. Non. Et bien sûr, il n'y a pas plus grand péché, parmi les plus grands péchés, que de faire une chose pareille. Que Allah Ta'ala descende une chose et qu'on l'efface ou bien qu'on y rajoute quelque chose dans l'un des livres, yani, qui sont venus de Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais, d'après ce que j'ai entendu, que dans les évangiles qu'il y a maintenant de nos temps, il y a un des évangiles où il y a toujours cette bouchra qui cite que va venir quelqu'un qui s'appelle Ahmed. Et certains ont même cet évangile, yani, qui n'a pas encore été effacé, et qu'il c'est là. Il a un nom, cet évangile, je ne connais pas son nom, yani, Malik, ceci, cela, j'ai oublié son nom. Mais ça existe jusqu'à de nos jours un évangile où il y a, yani, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, on fait comme Cheikh, donc on va passer à la troisième question d'une sœur. Cheikh, quand les gens de Quraysh se sont réunis, est-il vrai que Shaitan s'est mêlé à eux sous la forme d'un homme? Tafadhal ya Cheikh. En fait, c'est ce qu'il y a dans la plupart des livres qui rapportent la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le shaitan s'est venu sous la forme d'un homme et qu'il a commencé à leur donner son avis, etc. Et ils ont même cité l'homme, yani, sur lequel shaitan est venu, car cet homme était absent, et shaitan est venu sous sa forme. C'est ce qu'il y a, je dis, dans la plupart des livres de la Sira, non, qui ont rapporté la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme, yani, la Sira de Ibn Hisham, non. Donc la plupart ont rapporté cela. Wallahu ta'ala alam. Tfadl. Barakallahu fikoum Cheikh. Donc on va passer à la quatrième question d'un frère. C'est au sujet du verset « Ne t'afflige pas car Allah est avec nous » sur la Tawbah, verset 40. Je voudrais savoir pour quelle raison Abu Bakr était triste durant ce moment-là. Barakallahu fikoum. Tafadhal ya Cheikh. Abu Bakr était triste, radiyallahu ta'ala anhu, car il avait peur, yani, que il soit découvert par les ennemis, lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que donc ils vont arrêter, donc, yani, cette hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car maintenant, étant dans la grotte, et que les kuffars sont déjà arrivés jusqu'au Yani, au pied de la grotte, il ne leur reste que de baisser le regard pour le voir. Donc, disons, yani, ils vont nous voir. C'est ce qu'a cru Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, parce qu'il a pris de la logique que maintenant, s'ils n'étaient pas arrivés jusqu'à cette grotte, c'est sûr qu'ils vont pas nous découvrir. Mais maintenant qu'ils sont arrivés jusqu'au pied de la grotte, subhanallah al-azim, yani, comment se fait-il qu'ils ne vont pas nous voir? Donc il était triste et s'attendait à ce qu'ils les voient. Mais le prophète sallam l'a rassuré et lui a dit que penses-tu de si Allah est leur troisième? C'est impossible qu'ils nous voient.
ne sois pas triste et allez, je te rassure que inchallah ta'ala ils vont pas nous voir et qu'on va terminer notre projet bi'iznillah ta'ala. Fadal. Barakallahu fikoum, cher. Donc, on va passer à la question numéro 5, question d'une sœur. Mais tout avant, cher, on a un message des élèves de Trappe 78 qui vous disent, j'espère que vous allez bien ainsi que toute votre famille, qu'Allah Ta'ala vous préserve et vous comble de ses bienfaits. Je n'ai pas de questions, je voulais juste que vous sachiez que nous sommes ravis de vous retrouver et de reprendre les cours avec vous. Barakallahu fikoum. Et donc, cher, on passe à la question de la sœur, question numéro 5. Je suis une femme qu'Allah a guidée sur le droit chemin et m'a éloigné des mauvaises fréquentations. Alhamdulillah. Après le Ramadan, j'ai commencé à avoir plein d'obsessions, je les ai ignorées. Jusqu'à un jour où j'étais convaincue que j'étais mécréante, que je me suis repentie. Je me suis repentie, ma frère. J'ai fait le rose en voulant tourner la page, sauf qu'en écoutant ces wasawas, ça s'est empiré. Enfin, il n'y a pas. Apparemment, il n'y a pas la suite. Si contact sort pour me mettre la suite, j'avais pas vu qu'il n'y avait pas la suite. Alors, je cherche la suite. Il m'arrive. Je doute de tout, wallahi, dans les ablutions. La purification, les impuretés, et il m'arrive de laver mes vêtements plusieurs fois par jour. Je me sens constamment mal couverte. Par exemple, je fais souvent des tresses. Le waswas me dit que mon voile n'est pas charré. Il m'arrive aussi de faire l'ours plusieurs fois par jour. J'aimerais que vous me donniez des conseils pour arrêter de les écouter et avancer dans ma religion. Tafadhal. Tout d'abord, Barakallahu fihom pour les personnes qui m'ont envoyé pour dire qu'ils étaient ravis que je revienne. C'est vice-versa, inshallah ta'ala. C'est réciproque plutôt. Moi aussi, c'est pour moi, c'est la même chose, inshallah ta'ala. Et jazakallahu khairan pour votre soutien. Plusieurs frères et sœurs m'ont écrit aussi. Naam. Et maintenant, pour revenir à la question qu'a posée la sœur ici, la même question, à cette même question, j'ai répondu plusieurs fois. Et que même dans mon Gmail, il y a des gens qui m'écrivent aussi pour me dire à peu près la même chose. Et je remarque que c'est toujours, disons, à 90%, 95%, ce sont des femmes et non pas des hommes qui ont ce problème. Et parmi ces femmes aussi, à 90%, ce sont des reconverties et non pas des musulmanes de souche. Donc je dis, pour répondre à cette question, les waswas et les waswas, c'est une maladie. Et qui n'a que deux remèdes. Il n'y a pas un troisième. Le premier, c'est de demander à Allah Ta'ala la guérison. Et le deuxième, les deux marchent ensemble. Et le deuxième remède, c'est de combattre les waswas. Comment les combattre? C'est en ne pas les écoutant. Ici, la personne dit par exemple, il m'arrive de laver mes vêtements plusieurs fois par jour. Je dis, si tu fais ça, les waswas ne s'arrêteront jamais. Et ça va empirer, jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Le but final étant quoi? Étant d'arrêter tout ça et d'apostasie. Et de dire, moi j'en ai marre, je ne vais pas tomber malade à cause de ça, j'en peux plus, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs, c'est très difficile. Allez, salam alaikum, jette le voile, je jette le voile, j'arrête la salat. Je commence à boire et danser et tout se termine. Et comme ça, on va croire que la personne que, yani, alhamdoulilah, elle va dire, Allah Ta'ala est pardonneur, etc. Donc, et elle dit aussi, je me dis, le voile n'est pas shar'i. Ensuite, je me dis, il m'arrive aussi de faire le rouge plusieurs fois par jour. Celui qui fait le rouge plusieurs fois par jour, le shaitan et les waswas vont être très contents et ça va empirer. Car faire le rose plusieurs fois par jour, faut dire que c'est vraiment difficile. Une fois par jour, et c'est difficile de faire le rose. Surtout pour une femme. Surtout pour une femme. Surtout pour une femme. C'est plus qu'un homme. C'est difficile pour elle le rose. Surtout pour celle qui a de longs cheveux. C'est plus difficile encore pour elle. Donc, moi je dis, pour résumer,
Toute personne qui a les ouswas, si elle veut que ses ouswas s'arrêtent, elle doit les contredire. Demander à Allah Ta'ala de l'aider et les contredire. Le shaitan, les ouswas me disent faut faire un autre roust, je ne fais pas. Les ouswas me disent faut relaver les vêtements, je ne relave pas. Les ouswas me disent le voile n'est pas chari, je dis il est chari. Les ouswas me disent la salat nulle, il faut la recommencer, je ne recommence pas. Les ouswas me disent il faut aller faire les ablutions de nouveau, je ne fais pas de nouveau les ablutions. Les ouswas me disent il faut refaire le somme aujourd'hui, je ne refais pas le somme. Le ouswas me dit telle chose, je dis non, c'est faux. Et comme ça, si tu peux faire comme ça une semaine, tu vas sortir, il y a des problèmes, et le shaitan va te quitter et aller vers une autre cible et te délaisser. Non. Mais si tu vas dire non, j'ai peur, peut-être que je dois refaire la salate, non, j'ai peur, je dois refaire le somme, non, j'ai peur, je dois refaire le roust, et comme ça, jamais il ne te laissera tranquille jusqu'à yani, que la personne quitte ce din, que Allah Ta'ala nous préserve tous. Que Allah Ta'ala nous préserve tous et toutes. Et je dis à cette personne et à ceux qui m'entendent, je dis et je redis, Naam, il faut avoir la conviction que je ne refais pas. Car quand tu dis, il vient te dire, il faut refaire la salate, tu dis non, je ne refais pas, il va te faire des besoins. Il va te dire, comment tu ne refais pas, ta salate est nulle, tu restes comme ça, ils vont mieux refaire et sortir des problèmes. Tu dis non, il n'y a aucun problème, c'est toi qui me fais des problèmes, je ne refais rien. Je te dis, je ne refais rien, je ne refais ni salate, ni somme, ni ablution, je lave les vêtements, ni. Non, laisse-moi tranquille, je t'en rajim. Et je vais prendre un livre et je vais lire, ou bien je vais dormir, ou bien je vais discuter, ou bien, et je vais oublier, comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ensuite il ne va plus revenir vers toi. Il va chercher une autre cible. Il va dire, cette personne-là, elle s'est réveillée, je ne peux plus la combattre. Je vais chercher une autre personne. Fadal. Barakallahu fikoum, cher. Donc, on va passer à la sixième question. Question d'une sœur. Cher, je pense que vous avez déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais je ne sais pas quoi faire. Concernant les pertes blanches chez les femmes, l'écoulement naturel sans aucun désir ni aucune pensée annule-t-elle les ablutions? Faut-il refaire ces ablutions, surtout pour Jumu'ah à la mosquée pendant la khutbah? Barakallahu fikoum, cher. Tafaddal. En fait, c'est vrai, j'ai répondu plusieurs fois à cette question. Plusieurs fois à cette question. Et pour résumer la chose, je vais dire, par rapport aux écoulements blanches, ce qu'on appelle les pertes chez les femmes, hein, que ce soit avec désir ou pas, ce que je veux dire, c'est que il y a une divergence par rapport à deux choses. Est-ce que c'est de la souillure ou pas? Et la deuxième, est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Par rapport à la souillure, on avait pris de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, que, inshallah ta'ala, ce n'est pas de la souillure. Mais, par rapport à ce que ça annule les ablutions, on avait pris aussi de son avis, son éminence, Cheikh Ibn Uthaymin, qui dit que, de préférence, on dit que ça annule les ablutions. Ça annule les ablutions. Reste une chose. C'est quoi? Si la personne a une incontinence, c'est-à-dire ne peut pas se retenir et que ces choses ne cessent de s'arrêter, de couler, que ça soit par rapport aux pertes blanches, que ça soit par rapport à l'urine, que ça soit par rapport au gaz, à n'importe quoi, qui, yani, on ne peut pas retenir. Dans ce cas, la personne se suffit pour, yani, à faire des ablutions une seule fois avant de commencer à prier. Juste au moment où je sais que je vais rentrer dans la prière. C'est à ce moment que je fais, inshallah ta'ala, les ablutions. Ensuite, si ça coule pendant la prière, ça n'invalide pas la salate parce que ça devient une sorte yani, de maladie, ce qu'on appelle l'incontinence de Idnillah Ta'ala. Wallahu ta'ala, tfadal. Barakallahu fikum, cher. Donc on passe à la septième question, question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve, cher, et vous récompense ici-bas et dans l'au-delà pour tout l'aïm que vous nous apportez. Je suis une sœur de France. Mon mari souhaite que l'on fasse la hijra en Algérie, Inch'Allah, avec nos enfants. Cependant, j'ai le cœur brisé à l'idée de devoir quitter mes parents. Dès que je leur parle de nos projets,
Ils se mettent à pleurer et je repousse la hijra à cause de ça. Je suis l'aîné de ma famille et ils comptent beaucoup sur moi. Pourriez-vous me conseiller, s'il vous plaît, afin de me faciliter? Jazakallahu khairan. Tafadhal ya cheikh. La hijra, en la faisant, on obéit à Allah Azza wa Jal. Et si on ne la fait pas maintenant, on reste là-bas, à cause de nos parents, on obéit à qui? On obéit à nos parents. Or, l'obéissance à Allah Azza wa Jal prédomine sur l'obéissance à nos parents. Reste deux choses. La première, si je fais hijra, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné mes parents. Mes parents, c'est possible d'aller les visiter une fois par an, une fois par 2 ans. Ensuite, les parents maintenant, avec cette ni'ma de l'internet, si on utilise à bon escient, maintenant internet, à chaque minute, on peut se voir par Skype ou par yani Messenger ou par Tango ou par je ne sais quoi. Donc, yani, maintenant, surtout avec les téléphones d'eau, maintenant, yani, en direct, tu parles avec quelqu'un, en même temps, ils sont en train de te voir. C'est pas comme auparavant. Imagine auparavant, la personne va s'éloigner à 1000 km de ses parents et maximum qu'elle puisse, elle envoie une lettre par écrit. La lettre qui va arriver dans 3 ou 4 mois, si elle arrive. Maintenant, la ni'ma, alhamdoulilah, je peux les voir tous les soirs. Chaque soir, je suis avec mes parents en étant dans mon salon dans un autre pays. C'est la première des choses. La deuxième des choses, comme j'ai dit, on peut aller les visiter. Et la troisième des choses, la personne est excusée pour ne pas faire la hijra à cause des parents si ils n'ont que cet enfant et il doit être à leur chevet. Ils sont âgés, ils ne travaillent pas, c'est lui qui travaille pour eux et ils sont malades ou je ne sais quoi, il est obligé de rester avec eux. Mais si maintenant on les quitte en moi, je sais que, alhamdoulilah, ils ont une paye, je sais que yani, ils peuvent aller faire les achats, etc. Donc je ne suis plus excusé, bi'idhnillahi ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla vous facilite. Tfadhal. Barakallahu fikoum, cheikh. Donc on va passer à la huitième question. Question d'une sœur. Salam alaykoum ya cheikh, que la vous récompense pour vos cours qui nous sont bénéfiques. Ma question se porte sur la prière. J'avais lu un hadith, mais je n'ai plus la source, qui disait que prier 4 rakat avec un tashahhud au milieu et le taslim à la fin, comme dhuhr, après salat al-isha, était comme si on avait passé la nuit de Laylat Qadr en prière. Et dans ce hadith, il était dit qu'il fallait réciter des versets à chaque rakat. Moi, je récite surat Fatiha et une surat aux deux premières rakats et les deux dernières selon la Fatiha, un jour sur deux. C'est-à-dire que le deuxième jour, je récite surat Fatiha et une surat à la quatrième raka, et chaque jour j'alterne. Ma question est que, en fait, ce hadith me prête à confusion, c'est-à-dire dois-je réciter une deuxième surat à toutes les raka ou seulement aux deux premières? Je vais essayer de retrouver le hadith, Inch'Allah. Pour moi, c'est un peu confus. Je ne sais pas si vous avez bien saisi, cher. Tafadhal ya cher. Oui, j'ai bien compris. Je reviens à la question de la sœur qui a parlé de Hijra, pour lui rappeler que le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est spécialement pour la Hijra. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, il y aura, Inch'Allah Ta'ala, une exhortation et un encouragement, Inch'Allah Ta'ala, pour faire la Hijra. C'est pour ça que essayez d'être présent, Inch'Allah, une incitation. Essayez d'être, Inch'Allah Ta'ala, présent pour le prochain cours, Bidna Ta'ala, surtout pour ceux qui ont une hésitation pour la Hijra. Je reviens à cette question. Naam, il y a un hadith qui dit comme ça, qui dit que 4 rak'at, yani après Salat al-Isha, yani, c'est comme si la personne avait passé la nuit de Laylat al-Qadr, et ce hadith est authentique. Mais la personne a des problèmes par rapport à, elle a dit que le hadith dit que on doit lire une surat Fatiha et une autre surat dans les quatre rak'at. Maintenant, je me rappelle pas
qu'il y a ça dans le hadith. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un peut nous afficher ce hadith pour vérifier si le hadith dit comme ça. Ensuite, autre chose très importante, le fait de lire, si on va prier 4 rak'at par exemple, et le fait de lire une sourate après le Fatiha, dans la troisième et quatrième rak'at, est possible. Et c'est permis, et yani, il n'y a aucun mal à cela. Le prophète, alayhi rapporte, ou plutôt, l'imam muslim rapporte dans son sahih, que le prophète, alayhi salam, quand il priait salat al-dhuhr et salat al-asr, il lisait à la troisième rak'at, après le fatiha, il lisait une sourate. Et à la quatrième rak'at, après le fatiha, il lisait une sourate. Et pourtant, nous tous, quand on prie le dhuhr et on prie l'asr, nous tous, d'habitude, on prie pas la troisième et quatrième raka'a, on lit seulement le Fatiha. Sah ou c'est pas sah? Sah. Et pourtant, dans Sahih Muslim, il y a que le prophète sallam lisait à la troisième et quatrième raka'a, après le Fatiha, il lisait une sourate. Donc, je dis, même s'il ne trouve pas le hadith maintenant, yani pour l'afficher, si la personne veut lire après le Fatiha, yani à la troisième, quatrième raka'a, une autre sourate, c'est permis, bi'idhnillah ta'ala, il n'y a aucun problème. Naam, tfadhal. Barakallahu fikoum, cher. Donc, on passe à la neuvième question. Alors, question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. En France, le Jumu'ah est à 14h30, mais il y a des mosquées qui gardent les heures d'hiver, soit 13h30. Est-ce que je peux prier dans cette mosquée? Barakallahu fikoum, cher. Tafadhal. Walaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Par rapport à Jumu'ah, c'est permis, d'après l'avis le plus fort, et c'est l'avis de Cheikh Ben Bess, Cheikh Ben Outaimin, rahmahoullahu ta'ala, et d'autres savants aussi, bien sûr, de l'avancer un peu. Car il y a un hadith sahih de Jabir qui dit que quand on priait la Jumu'ah et on revenait vers nos maisons, on trouvait que le soleil n'avait pas encore quitté le zénith, ou quelque chose comme ça, ou qu'il venait juste de le quitter. Se basant sur cela, les savants disent c'est permis de prier Jumu'ah un peu à l'avance, d'après l'avis le plus fort, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadhal. Barakallahu fikoum, cher. On va passer à la dixième et dernière question. Question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Une connaissance de ma mère a voyagé en Turquie. Elle a visité des sites où on prétend qu'il s'y trouve de la tombe de Meryem, la maison où elle est morte et la caverne des gens mentionnés dans Sourate El-Kahf. Elle croit que tout ceci est vrai et elle nous enjoint de les visiter. Quel est votre conseil à cette personne et à tout musulman concernant ses affaires? Barakallahu fikoum, cher. Tafadda. Walaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le croyant, naam, celui qui est sur l'istiqama et la sunna, doit être averti. Naam. Et doit savoir que la plupart des choses rapportées en ce sens ne sont pas vraies. Surtout par rapport aux tombes, naam, des messagers, des gens pieux, etc. Surtout par rapport aux tombes. Naam. Prenez l'exemple de ce qu'on appelle Zeynep. Naam. Zeynep et la tombe de Hassan et la tombe de Hussein et la tombe de tout cela, non? Vous allez chercher, on va vous dire que la tombe se trouve en Égypte de Zeynep. Elle se trouve, vous allez à Syrie, en Syrie, on va vous dire elle se trouve en Syrie. Vous allez du côté de je ne sais où, on va vous dire elle se trouve ici. Et tout ça n'est pas vrai. Personne ne sait. Allah Ta'ala fait sciemment, non? Ne veut pas que ces tombes-là soient connues pour que les gens ne les adorent pas et ne fassent pas de cela, comme dit ici la personne, un lieu de visite. Un lieu de visite. Car voyager pour aller visiter une tombe n'est pas permis. N'est pas permis. Même si tu voyages pour aller visiter la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, et ce n'est pas permis. Pourquoi? Il faut visiter, on peut voyager pour aller visiter la mosquée, pas la tombe. Donc, moi, si, ici en Algérie, je dis, demain,
je vais acheter un billet pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ce n'est pas permis. C'est haram. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je dise, moi je vais voyager pour aller prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Là, c'est permis. Et en même temps, en allant prier là-bas dans cette mosquée, en même temps, je vais visiter yani, la tombe du prophète Sam. Mais je ne vais pas voyager à cause de la visite de la tombe. Je vais voyager à cause de la prière dans cette mosquée. Comme dans le hadith que on ne peut voyager que pour trois mosquées. Les deux, Medina Mekka et le Quds. Naam. Donc, je dis à cette personne que même si la tombe de Maryam se trouvait là-bas, entre parenthèses, chose qui n'est pas vraie, ce n'est pas permis de voyager pour aller visiter cette tombe. Et ce qu'on dit aussi de sorte le kef que les gens sont ici, c'est là la caverne, ce n'est pas là. Tout ça, il n'y a aucune preuve concrète, car si vous allez en Jordanie, on va vous dire que c'est ici que se trouve la grotte de El-Kef. Si vous allez du côté du Pakistan, on va vous dire que c'est ici que se trouve la grotte, et comme ça. Et dans le même contexte, il ne faut pas croire aussi à ce qu'on rapporte que ça c'est yani le couteau du prophète Aslam, ça c'est le sabre du prophète Aslam, ou bien de Ali ibn Abi Talib, ça c'est les cheveux du prophète Aslam, ça c'est telle chose du prophète Aslam. Tout cela n'est pas vrai, comme dit Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, et comme disent les savants. C'est pour cela que jusqu'à de nos jours, en Turquie, si vous allez en Turquie, on va vous montrer des choses, on va vous dire, ça c'est des cheveux du prophète Aleyhissalam. Si vous allez en Inde, on va vous montrer dans un musée, on va vous dire, ça c'est des cheveux du prophète Aleyhissalam. Ça c'est le soulier du prophète Aleyhissalam. Tout ça n'est pas vrai, comme disent les savants, non. Il ne faut pas yani, être quelqu'un qui avale tout. Qui avale tout. Et qui va croire à tout ce qu'on lui rapporte et qu'on lui raconte. Non. On arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Fawzi, je te donne le micro pour dire si tu as quelque chose à dire. Je vais terminer. Tfadal. Naam, cher, juste d'encourager les frères et sœurs d'écouter le prochain cours, le cours 38, Inch'Allah, samedi prochain, qui est sur la Hijra, qui va nous donner un petit peu de force pour pouvoir partir, Inch'Allah. Voilà, que l'on fait comme cher. Naam, inchallah ta'ala, j'espère que le prochain cours sera une incitation pour ceux qui ont des hésitements et ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Car il faut goûter d'abord à la hijra pour savoir ce que c'est. Et ensuite comparer. Surtout avec ce qui se passe maintenant dans tous les pays de Kofr. Et surtout ce qui se passe en France en particulier. Où maintenant, de plus en plus, on essaie yani, de resserrer l'étau. Et même maintenant, d'autres pays, comme l'Angleterre, qui a été connue pour ce qu'ils appellent la liberté d'expression, liberté de culte, etc., ils commencent maintenant à serrer. Même en Allemagne, ils ont remarqué que l'islam maintenant yani, commence à y entacher, à se propager très vite. Et ils ont peur, ils ont commencé maintenant, ils vont commencer à faire des lois au Parlement pour resserrer l'étau. Naam. Donc, si maintenant quelqu'un de Allah Ta'ala lui donne cette faveur de vivre dans un pays musulman où il adore Allah Ta'ala comme il veut, il prie où il veut, il prie dans la rue, il prie dans les jardins, il prie au travail, il prie dans le stade s'il veut, naam. Il connaîtra, il saura alors que Allah Ta'ala lui a donné vraiment une grande ni'ma. Il lui a donné une grande ni'ma. Et il sait qu'il ne sera plus persécuté. Non. Comme ça, dans les pays de Kofar, où il marche dans la rue, les gens en train de le voir, en train de peut-être de cracher sur lui, de l'insulter, de rire de lui, de se moquer de lui. Tout ça, Allah Ta'ala l'épargnera de cela. Que Allah Ta'ala vous épargne de cela, il vous donne yani, la vie dans un pays musulman, et fasse de sorte que votre fin soit dans un pays musulman
آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رونديفو بروشان سامدي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.